Je m'appelle Robert Ferron, mais on m'appelle souvent Bob, c'est plus simple. J'habite Taforêt depuis 1956. Cela fait 66 ans. Mais j'ai déménagé à plusieurs endroits. Je me suis d'abord établi à la rue du Croissant, puis à la Générale de Monceau, et maintenant à l'avenue Kersbeek depuis 56 ans, toujours dans la même maison. C'est une commune accueillante qui s'occupe très bien des seniors, ce qui est mon cas. Il y a quand même pas mal de possibilités. Il y a des parcs, voilà, il y a du commerce. Et il y a des activités un peu partout. Dans le fond de mon jardin, il y avait, dans le temps, un château qui s'appelait le château Mikils, et dont l'entrée était à l'avenue Kersbeek. Lorsqu'on a créé la rue Stuart de Méril, le bâtiment a été détruit et on a loti le terrain, on y a construit 6 maisons et l'entrée, qui est un passage de 6 mètres de large, a permis d'agrandir mon jardin. Ce qui fait que mon jardin était quand même près de 8 arts. Ça permettait à mes enfants d'y jouer, de rouler en vélo et pas mal d'enfants, des voisins venaient jouer dans le jardin. Ce qui fait que jamais mes enfants n'ont été joués à la rue. J'avais monté ça, mais il y a plus de 30 ans. Oh oui. C'est vous qui l'avez construite? Oui. J'en ai fait une pour mon petit-fils aussi, chez lui, alors qu'il avait 6 ans. Quand il a habité là-bas, il n'avait pas de balançoire, alors qu'ici, il venait jouer, bien sûr. Mais il a dit à ses parents: mais j'ai pas de balançoire et que je suis papy. Et alors, je lui en ai construit une aussi. Ils l'ont toujours, alors qu'il avait 6 ans et maintenant il en a 33. Donc celle-ci est encore plus âgée. Oui, Kersbeek, disons que si on traduit, c'est le ruisseau des cerises. Mais nous sommes à la limite de la forêt de Soigne, dans le temps bien sûr, parce qu'il y avait le Kersbeek Bos, donc le bois de Kersbeek qui était le prolongement de la forêt de Soigne, mais il y a quelques siècles cela. Oui. Ah ben il y avait un ruisseau, oui, probablement, mais je ne sais pas où il se trouvait, parce que derrière le château Mikils en question, il y a peut-être une bonne centaine d'années, 200 ans, il y avait des étangs. Donc ça n'était pas construit, mais c'était fort marécageux. Actuellement, c'est le centre de senior diversity, où il y a des activités qui m'intéressent et qui, heureusement, viennent me chercher et me ramènent à la maison. Oui, il y a aussi le Bent, qui est un immense parc, pas tellement éloigné, où là aussi je pourrais aller me promener, où se trouve le petit train. J'allais aussi me promener dans la cité, qui est en face de chez moi. C'est une cité qui a été créée en 1926, je crois, et l'architecte a fait des petites villas,
séparés par des jardinets, mais entrecoupés par des sentiers. Donc on peut voyager dans toute la cité, enfin. Mais un endroit où je n'irai pas, non, je n'en vois pas. Quant au passé, c'était surtout le Jacques Brel, un petit parc qui se trouve ici, pas tellement loin. C'était un lieu de promenade où j'ai promené mes petits-enfants d'ailleurs. Voilà. Au départ, lorsqu'on a créé cette revue, on a demandé aux personnes, aux seniors de diversité, s'ils voulaient faire un petit article. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais écrire. Et j'ai justement parlé du petit Jacques, du petit parc Jacques Brel. Donc il y a une page dans le premier numéro où je signe Papy Bob. Eh bien, je raconte justement que dans le parc, il y a un arc, un chêne, qui est tellement vieux, il est tellement grand, que lorsque j'avais promené avec mes deux gosses et ma femme, en étant dans nos bras, on ne savait même pas faire le tour. Tellement il est grand, au point de ses conférences. Et puis, les numéros se sont succédés avec... bien sûr, des personnages qui viennent au Diversity, Émile, Christian, Marie-Claire, et ainsi de suite. Et le 15e numéro, j'ai une photo où je crie Rata, rage contre Against, agisme, Rata. Je brandis le pinceau où j'ai collé les affiches indiquant cette devise, et je me tiens toujours bien sûr avec une béquille, mais à mes pieds se trouve un mégaphone. Au départ, c'était à l'improviste. Je ne savais pas pourquoi on me demandait de faire une photo, ça j'ignorais. Mais voilà, bien sûr, c'est paru sur Facebook. Et ma petite fille a répondu, Papy Bob, rebelle. Mais alors, ses collègues ont écrit en réponse à ce qu'elle avait dit, on comprend maintenant ton caractère. Donc c'est que ma petite fille a eu beau caractère. Oh, rebelle. Non, je ne crois pas que je suis rebelle, non. Je suis conciliant pour beaucoup de choses.